Bonjour. Oh Louane, ton point de fée jeté est magnifique, hein? Vraiment magnifique. Merci, madame. Oh, et toi, j'aime pas du tout cette couleur déjà. J'aime pas du tout des boucles d'oreilles roses et tout. C'est horrible. Et en plus, tes cheveux, ils sont pas incroyables. Mais madame, vous avez quoi? Bah, ils sont moches, hein. Bah, pour toi, mais le rose, c'est pas beau. C'est has-been. Merci madame. Oh, mais de rien. T'aurais pas bien te prendre tes médicaments pour l'épilepsie? Oh madame, il y a trop de lumière dans cette pièce, je me sens pas bien. Oh, je vois, je vois. Il y a trop de lumière. Bah attends, je vais éteindre la lumière. Bon, voilà, le cours est terminé. Il n'aura duré que 5 secondes. Mais voilà. Allez, au revoir. Mais Louane, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. D'accord, madame. Oh, vraiment, c'est... Ton point t'es jeté. Ils sont magnifiques. Rien que ton tournée et tout, tu m'époustoufles. Merci, Vraiment, madame. c'est incroyable. Alors, venons-en fait. Je voulais te dire que tu es vraiment la meilleure, mais vraiment meilleure de toute la promotion. Ah, L'école, super. elle t'encourage. Et tu es la favorite et pourras être promue au concours de l'année prochaine de Dirty Dancing. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Et oui. Je kiffe de ouf. Alors, on va te dire, continue sur cette voie, voilà. Tu es vraiment parfaite et tu as tout pour devenir une grande danseuse comme moi. Comme vous. Ah ouais, carrément, trop bien. Oui. Alors, pas de chance et bonne journée. Merci, bonne journée, madame. À demain. Demain. Ah, trop cool. Ah, salut les filles, vous êtes là? Oh, voilà la Une esprit. meilleure. Comment ça va, la peste? Ça va très bien, vous. Alors, ce cours a été quand même intensif. Ouais, malgré mes crises d'épilepsie, ça s'est bien passé, quoi. Pareil, tout pareil. Tu danses vraiment bien, t'es vraiment magnifique, tu le sais, ça. Hein? Ah, Si t'étais un merci, mec, je t'aurais mais vous dit aussi, vous très êtes chaud. divine. On est amis proches et tout. On est hyper proches, on se parle tout le temps. Ça a dû venir à la soirée. Ah, il y a une Ouais, il y a une soirée. soirée au Unicorn ce soir. Oh, l'unicorne, c'est trop bien cette boîte, j'adore, mais je vous avoue que là, ce soir, ça va pas être possible. J'ai déjà un truc de prévu, mais bon, vous inquiétez pas, on se fait ça une prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous allez bien vous y amuser. Ouais, y a pas de soucis, on va se défoncer, on va s'amuser, oh, grave. Mais sans toi, ça va pas être pareil. Ouais, c'est pas faux, on va pas s'amuser sans toi, c'est tellement vrai ce qu'on dit. On va être triste. Bah, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est juste partie remise, de toute manière, je pense que, ben, enfin, peut-être demain soir, s'il y a encore une soirée, je viendrai avec vous, on verra bien. Bon, en tout cas, amusez-vous bien, j'ai un petit rendez-vous là, donc il faut que j'y aille, mais amusez-vous bien, les filles, faites attention à vous, et du coup, bah, à demain. Allez, bisous les filles. Vas-y, à Mouah. demain, notre best Mouah. friend. Moi, moi, moi. Bisous, Bisous les filles. C'est vraiment une connasse celle-là, je te raconte même pas. Elle est Non mais elle coincée. C'est m'insupporte. pas un balai qu'elle a dans le hug, mais c'est un kit de nettoyage complet. Je te raconte même pas, quoi. La galère. Faut ramener un tractopelle pour l'enlever. C'est pas faux. En plus, elle est moche. Moi, être ami avec ça, franchement, des fois, elle me rend triste parce qu'on est ses seuls potes, quoi. En plus, elle a payé la prof pour qu'elle lui dise des compliments. Ouais, Parce mais que c'est une merde en danse. On l'a tous vu. au moins elle danse bien, elle alimente notre Instagram, même des fois quand on la filme en zoom zoom comme ça là, quand elle prend son bain et tout dans les vestiaires. Ah. Bon, du coup, nous, je pense que on va aller à la soirée, on va bien s'amuser parce qu'elle sera pas là, du coup, on n'aura pas à la surveiller parce qu'elle est coincée, quoi. Ouais, ça va être trop cool sans elle. Bon, allez, De toute c'est. façon, elle allait nous casser les couilles si elle allait être là. Vas-y, c'est parti, on va aller chercher notre conso là. Et... Allez, c'est parti.
A few moments later. Ah, bon, normalement, mon rendez-vous ce soir, c'est mon copain qui vient. Bon, j'en parle pas trop aux filles parce que bon, c'est un peu tabou d'être dans une école de danse et d'avoir un copain en même temps. C'est pas très bien vu, mais bon, elles sont pas obligées de le savoir. Oh bah, il arrive. Ah, oh bah tiens, je crois qu'il est là, ça vient de sonner. Ah, parfait. Ah, salut. Ça va? Ça va et toi? Tranquille, bah vas-y, viens, rentre. Merci, merci. Tu veux quelque chose à boire, à manger ou... Oh non, c'est bon, non merci, c'est bon, ça va aller. Bon, de toute façon, tu fais comme chez toi, hein. Comme d'habitude, si t'as besoin de quelque chose, tu te sers, tranquillou. Attends, bah viens, on va s'asseoir un petit peu. Bah du coup, mes parents, ils sont partis, là, ils sont en voyage d'affaires jusqu'à la fin de la semaine, donc si tu veux, tu peux rester dormir à la maison, tu seras pas dérangé. Ah, mais c'est cool. Ah bah oui, bah y a pas de soucis, hein. Ah pas bah... de soucis, chérie. Je veux bien rester. Ah bah parfait, parfait, parfait. Bah du coup, comment s'est passée ta journée? C'était cool? Oh, il y a la prof qui m'a fait chier là, qui m'a cassé les boules. Oh. Non, c'était horrible. Horrible. Et toi? Bah moi, au contraire, ça s'est plutôt bien passé. On va dire que j'ai ma prof qui m'a demandé de rester, qui m'a fait là des compliments. Je suis un peu choquée parce que d'habitude, ma prof, elle est vraiment très méchante avec tout le monde et avec moi, elle est super sympa. Oh bah c'est bien, je suis heureux pour toi, je suis content pour toi. Tant que t'es heureuse, moi je suis heureux, hein, c'est... Ah parfait, parfait. Bon, je t'avoue que oui. Bah ça m'a lessivé quand même ces cours de danse là, donc... Oh, je suis fatiguée, on va aller se coucher. Tu m'étonnes. Oui, vas-y, y'a pas de soucis, là je suis crevé et j'en peux plus. Ah ouais, toi aussi. Tain, comme quoi, ah, c'est... l'école c'est vraiment... fatigant. Ah c'est de la merde. C'est de la merde, ça sert à rien. Allez, ouf. À go dodo. Voilà. Oh, bon, faut que je me réveille. Faut que j'aille en cours. Ah, bah il est déjà parti, mon copain. Bon, il commence plus tôt que moi, c'est normal. Et quelle heure? Ok. Putain, mais je me sens vraiment mal là, c'est trop bizarre. J'ai envie de vomir, j'ai dû bouffer un truc pas bon hier. Ah, je vais aller vomir, ça me fera du bien. Ah putain, on va tirer à chasse, faut vraiment que je me lave les dents là, je pue le chacal. Aïe 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 aïe. Alors, on va prendre une petite brosse à dents là. Allez, hop. Bon, faut que j'aille en cours parce que là je vais vraiment être en retard, c'est pas grave, une petite indigestion alimentaire, ça va pas me tuer. Allez, je vais me préparer et puis je vais en cours. A few moments later. Madame, toi, ton pas de danse, est-ce que je... Oui. En fait, je me sens pas hyper bien. Oh ma pauvre. Mais viens te soigner, va te soigner à l'infirmerie. En plus, bon, t'es déjà bien en avance sur ces deux idiots, hein. Ils me servent parce que je gagne de l'argent. Tu peux y aller. Merci madame. Bon, de toute façon, je reviens juste le temps qu'elle me donne quelques petits médicaments et j'arrive. Hein. Oui madame l'infirmière, donc je viens vous voir parce qu'en fait je me sens pas bien. Ce matin j'ai vomi, j'étais pas bien. Je crois que je fais une indigestion alimentaire, je sais pas trop, mais voilà, je me suis sentie mal en cours et du coup la prof m'a envoyée ici. Bon, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un diagnostic. D'accord. Je vais juste vous faire une petite prise de sang. Ça marche. Non mais après je pense que c'est juste une indigestion, ça doit être un truc comme ça quoi. Je sens des coups dans votre ventre. Enfin... Ah. C'est peut-être des ballonnements. Est-ce que vous avez pensé... Enfin, est-ce que vous aviez des effets secondaires, des vomissements? Ouais, j'ai eu un peu mal à la tête et j'ai un peu fait pas forcément une perte d'équilibre, mais voilà, j'ai eu un petit tournis, on va dire, quand je me suis levée. D'accord. Je ne voudrais pas trop vous faire peur, mais c'est plutôt des symptômes de grossesse. Est-ce que vous avez fait un test de grossesse?
Ah, non. Non, non, mais je... Enfin, je veux dire... je prends la pilule, quoi, donc... ça devrait pas arriver. Les pilules ne marchent pas toujours, elles peuvent être un peu défectueuses selon la marque. Bon, honnêtement, à votre âge, je vous conseille de, si vous êtes enceinte, avorter. Je sais que c'est une décision compliquée, mais... Mais vous allez avoir le résultat sur la prise de sang, hein, dans tous les cas, là, non, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, non, parce que c'est pas possible que je sois enceinte, enfin, ça peut pas arriver, je fais attention quand même, je peux pas être enceinte, là, c'est pas possible. Je ne sais pas, mais en tout cas, vos symptômes confirment cette hypothèse, donc au cas où... D'accord. Honnêtement, je sais pas pour vous faire du mal, mais je vous conseille vivement d'avorter pour votre bien. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez me confirmer pour la prise de sang ce que ça donne les résultats? Est-ce que là vous me faites vraiment vraiment très peur là? Oui, je vais aller voir. Ah, c'est pas possible. Ouais, j'ai confirmation. Non, je peux pas. C'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible, je... Oh, mais qu'est-ce que je peux faire, là? Oh mon dieu. Je vous conseille vraiment d'avorter, parce que sinon votre vie va être compliquée après. Ok, bah je vais réfléchir à tout ça, je vais me poser, je vais réfléchir, d'accord. D'accord, merci madame, faut que je retourne en cours, je peux pas rater mon cours là maintenant. Merci. Hein. D'accord. Bonne journée. Merci, vous aussi. Un petit pointé jeté. Oh, on dirait un calamar. Et toi, tu sculptes le sol ou ça se passe comment? De quoi? Dès que tu sculptes le sol, ausculté. C'est quoi ce mot? Oh, c'est un mot pas dans ton dictionnaire, à ce que je vois. Il y a beaucoup de poussière. Oh. Ausculte bien. Ausculte pas ton cerveau puisque t'es pas prêt de le trouver. Et toi, Louane? Oui, madame. Ouais. Ton croisé, mamma mia, il est magnifique. Merci, madame. Ah, là, 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 là. Faut juste, hein, que je te parle à la fin du cours. D'accord, bah, je vais rester à la fin du cours, madame. Oui. Oh, bah, de manière, c'est la fin du cours, à ce que je vois, il aura duré comme le dernier, 5 secondes. Ah. Au revoir, madame la professeure Bolos, la Michto. Alors toi, tu as juste arrêté de sculpter le sol. Oui, madame. Oui. Et après, par le magnifique... par le magnifique médecin que tu étais enceinte. Oui, mais vous inquiétez pas, ça alterne pas... Enfin, actuellement, en tout cas, ça n'alterne pas ma condition physique. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Plus tard, ça va bien te l'empêcher. Tu sais très bien que le concours est dans un an. Un an pile. Sinon, tu auras accouché. Cet enfant pourrait te gêner et freiner ton amélioration. Imagine, tu raterais 3 ans de... 3 mois de cours. Ce qui te retarderait, tu ne gagnerais absolument pas le concours. Mais genre, si madame, si je prends de l'avance et du coup après je rattrape mon l'avance, retard... L'avance, comme je le dis tout le temps, quand on apprend, on oublie. Hein? Comme les cours. Mais vous inquiétez pas, j'oublierai pas, je vais m'entraîner dur et... Écoute, il vaut mieux être sûr, imagine, tu oublies le pas de danse et tu finis par tomber au milieu de la salle. Tout le monde se moquerait de toi, tu serais la risée. Et ça n'arrivera pas, madame.
Ça n'arrivera pas, je vais tout faire en sorte pour que je puisse y arriver. Ok, d'accord. 11 000 fois 45. 448 738. Ok. Et si je te dis 28 448 multiplié par 3351? C'est le chiffre infini, madame. Non, c'est un nombre facile à apprendre que tu as normalement appris en sixième. Tu l'as bien oublié, n'est-ce pas? Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la danse, pas les mathématiques, madame. Mais écoute, dans la vie, on n'est jamais sûr. Moi, je te conseille d'avorter, et puis ce n'est pas que pour dire que tu es une single ward. Imagine, ton enfant te freinera, et plus tard, même si tu arrives à arriver là-bas, tout se freinera. Alors écoute-moi bien, je te conseille d'avorter. C'est un conseil. Et d'accord. Si tu avortes, je serai obligée de détruire ta carrière. Quoi? Mais pourquoi je pourrais très bien m'en sortir même... Parce même qu'un enfant, une femme avec un enfant n'a rien à faire devant la scène, devant la lumière. Ne mérite pas. Alors c'est clair. Bah écoutez madame, de toute façon je vais y réfléchir, j'ai pas encore pris ma décision, je vais bien prendre en compte votre remarque. D'accord, bah je vais réfléchir, je vous redirai ça dès que je suis sûre de ma décision, d'accord? Oui, et bien pendant 3 semaines. Ok, d'accord. Allez, zou, du balai. Et au revoir, madame. Au revoir. A few moments later. Ah, je suis contente que t'aies pu venir parce que faut qu'on parle d'un truc assez important. Oui, vas-y, dis-moi, je suis ouvert. Donc il y a pas de souci. D'accord, mais c'est genre d'accord, t'es ouvert, mais là c'est vraiment très 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 important quoi. C'est notre avenir. Oui, t'inquiète quoi. Pas. D'accord. Vas-y, t'inquiète pas, parle toujours. Tu peux y aller. Ok, alors en fait, je suis enceinte. Ah bon? Non, attends, t'es sérieuse là? C'est trop bien. Ah, tu le prends comme ça. J'avais vraiment peur de t'en parler. Je pensais vraiment pas que t'allais le prendre comme ça. Mais je suis content. Ben, en soi, moi, ça m'aurait pas dérangé non plus, mais le problème, c'est maintenant, ça va pas du tout avec avec ma carrière, quoi. Enfin, mon école est au courant et ils m'ont clairement dit que je pourrais pas continuer ma carrière de danseuse si j'avortais pas. Bah, d'un côté, ils ont tort et d'un côté, ils ont raison, mais moi, je dis que tu peux t'en occuper, ton bébé, en fait, hein. Même moi, je suis là, en fait, hein. Si c'est t'es vrai? Prise là-bas, bah oui, si tu dois faire la danse et tout, moi, je m'en occupe, y a pas de souci, hein. Bah, je pense qu'il va falloir qu'on prenne notre temps pour réfléchir ce qui serait le mieux, que ce soit pour notre enfant ou pour nous, pour nos carrières. Parce qu'en plus, on est jeunes, quoi. Ouais, mais t'as raison, oui. On va prendre notre temps pour en parler, mais moi, je suis sûr que dans ma tête, là, je suis sûr qu'on est capable de s'occuper de ce bébé. On est capable, hein. Vraiment? Ah, bah, oui, je suis quand même contente. J'avais peur de ta réaction, mais ça me rassure. Oh bon, non, c'est rien, c'est pas grave ça, mais moi perso, je serais fier d'être père, hein, clairement, donc ouais, moi je pourrais m'en occuper, y a pas de souci. Ok, bon, on va prendre le temps de réfléchir, bon, en attendant, on va commander, parce que je sais pas si c'est la grossesse ou c'est moi, mais j'ai vraiment la dalle, hein. C'est les deux, je pense, t'inquiète pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage. Nous sommes en compagnie de Louane. Je n'ai même plus besoin, je pense, de la présenter. Elle est tellement famous, connue. Hein. Voilà. Bonjour Louane. Merci d'avoir accepté cette interview.
Bonjour et merci à vous de m'inviter sur votre plateau. Oh, c'est normal. Mais dites-moi, comment avez-vous fait pour que votre carrière décolle autant? Je crois que ce n'est jamais autant arrivé. Ah oui, effectivement, mais on va dire que ma carrière a vraiment commencé un peu mal. Genre, au début, elle a bien commencé. Toute l'école a été fière de moi. Ils étaient tous là à me dire que j'allais faire une grande carrière. Et je vous avoue que voilà, je suis tombée enceinte. De base, j'admets que ce n'était pas dans mes projets, mais c'est arrivé. Et j'ai eu vraiment aucun soutien de la part de mon école. Et c'est à ce moment-là que ça a un petit peu commencé à dégringoler, puisque j'ai même carrément l'école qui voulait, entre guillemets, faire tout pour que j'arrête d'aller là-haut, que j'avorte, soit que j'arrête l'école. Sauf que moi, je ne voulais ni avorter, ni arrêter ma carrière de danseuse. Et malgré tout, même ma professeure, elle voulait que j'avorte et elle m'a vraiment mis des bâtons dans les roues. Et à ce moment-là, tout a changé pour moi. Je suis passée vraiment de la danseuse qui devait représenter l'école à celle qui le représentait le moins et que l'école voulait tenter de cacher un maximum parce que c'était extrêmement mal vu d'avoir une danseuse enceinte. Donc j'ai quand même décidé de garder l'enfant avec mon compagnon, qui d'ailleurs est toujours mon compagnon actuel. Et il m'a vraiment soutenue dans cette étape de ma vie. J'ai gardé mon enfant, du coup c'est une petite fille qui s'appelle Victoire. Et Victoire, bah, je voulais montrer à ma fille que sa maman elle est forte, que sa maman elle peut réussir dans sa vie. Et malgré tout, après un accouchement, ce qui est, je pense, pour toutes les mamans, vous le savez, est une épreuve quand même. Et ça fait un peu de ravages sur le corps, mais je pense que chaque maman qui a la force de continuer, et surtout en plus on a des enfants à qui on veut prouver qu'on peut réussir, on peut tout faire dans la vie, surtout que en tant que femme on est extrêmement jugée par la société, et je veux que ma fille, qui est aussi une fille, puisse plus tard se dire voilà, je suis une fille mais je peux tout faire, puisque moi, étant sa maman, j'ai quand même réussi à continuer ma carrière et à danser comme jamais. Et je pense que justement, si j'ai bien réussi ma carrière, c'est surtout grâce à ma famille et grâce à ma fille, sans qui je n'aurais jamais pu arriver là, parce que justement, je pense que ma carrière s'est améliorée au moment où je suis devenue maman, et elle est devenue bien meilleure. Je dansais beaucoup mieux, j'avais plus de courage, plus de force. C'est eux qui m'ont tout donné, donc vraiment, je les remercie énormément. Et pour tous les téléspectateurs qui regardent cette émission, être maman, c'est vraiment quelque chose de magnifique, d'incroyable, et ça ne devrait pas être un frein. Peu importe les projets que vous avez dans votre vie, ce n'est pas un frein. On peut tout faire, on peut tout aménager, vraiment. Donc croyez en vous. Et du coup, je voulais vous présenter aussi du coup la personne qui m'a permis de continuer aussi, ma fille Victoire. Elle vient ici, ma chérie, ma petite Victoire. Regardez comment elle est mignonne. Ça, c'est ma fille qui veut également devenir plus tard danseuse, et je la soutiens énormément, comme elle m'a soutenue et m'a donné de la force et du courage. Bien, super interview. Voici la vie fabuleuse de Louane et de sa fille Victoire. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour la météo de 25 heures. Et au revoir. Au revoir. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this.